arrive. Oh, pousse-toi un peu. Hein. Voilà. C'est quoi ça? C'est quoi ça? Et c'est encore un truc à déguster. Et ouais. Mais oui, attends. J'ai régalé là. Hein? Et non, il faut le manger. Ah, non. Ça périme après. T'aimes pas manger, pas du périmé. Voilà, faut le manger. Hein? Allez, nouvelle dégustation, c'est parti. Donc aujourd'hui, on va encore déguster des trucs qu'on n'a pas goûté, on les a jamais goûtés. Hein, on vous l'a dit, qu'on allait faire 3 vidéos, donc là c'est la deuxième. Deuxième. Soyez pas con, deuxième vidéo. Aujourd'hui, des produits assez curieux. Ah. Assez curieux. Bon, déjà la dernière fois c'était curieux, mais là c'était des produits salés. Mais là c'est sucré et curieux en même temps. Ouais, mais alors, je m'attends au pire. Ah, moi aussi, hein. C'est le dessert, même si... T'as une bassine, là, parce que... On a prévu une bassine pour vomir, hein, vous le dites, comme ça, on vomit devant la caméra, comme ça, et comme ça, vous êtes content, et la vidéo est censurée. Produit numéro 1. Ça commence à aller. Produit numéro 1, on l'a déjà mangé l'autre jour. Tout salé comme ça, ouais, c'est bon, peut-être. C'est pas salé, celui-là. Celui-là n'est pas salé, parce que la dernière fois, on a mangé... c'était takoyaki, burger et salami. Celui-là, il est à la pomme cannelle, et tu vois qu'il y a la tour de Tokyo là. C'est pomme cannelle, il y a la pomme. Tarte aux pommes. Pomme cannelle, c'est ça, pomme cannelle. Allez, j'ouvre. Allez, vas-y, allez, on ouvre. Allez, oh, t'aimes bien ouvrir. Ouais. Pomme cannelle, alors, pomme ou cannelle? Ah ouais, pas... Pomme cannelle, on sent bien la cannelle. Mange. J'aime bien. C'est pas mal. Ah ouais. Très bon. C'est très bon. Ça, honnêtement, je pense que pour les enfants au Japon, ça doit bien se vendre. Pomme cannelle, là. Pourquoi on mange pas tout? Eh ben parce qu'il faut faire goûter à d'autres personnes aussi qui ne seront pas dans cette vidéo, mais on leur fait quand même goûter, hein, parce qu'on est gentil. Produit numéro 2. Produit numéro 2, qu'est-ce que c'est? C'est des... Qu'est-ce que c'est? Des bonbons? C'est des chocoballs. Ah. La dernière fois, on avait mangé des chocoballs, c'était aux amandes, je crois. C'est ça, ce qui ressemble aux M&M's français. M&M's. Au Japon, c'est très connu, les chocoballs. Petite pub ici. C'est bon. Petite pub très sympa. J'aimais la pub des chocoballs. Hein, j'ai mis un peu dans d'autres vidéos. Mais là, celui-là, il est au raisin, pardon. Pareil. Pardon, excuse-moi, c'est pas au cassis, mais au raisin. Ah, pareil. Voilà, alors du coup, ça, normalement, ça devrait avoir l'aspect des M&M's Crispy. Oh, tu te crois où? À la fois. Hein? Oh, tu fais le ménage après. Colchita. Ah. Ah, comment ça s'ouvre? Oulala, attention, il y a ouverture là ou ouverture là? Et ouais, mais attends. Ah ouais. Il y a deux ouvertures. Il y a soit l'ouverture... comme ça, regardez bien, il y a soit l'ouverture comme ça pour quand t'es tout seul, et après quand tu es à plusieurs, tu as l'ouverture familiale. Voilà. Oh, avec le petit jeune, c'est petit jeu. Ah, mais tu vois, c'est un labyrinthe. Ah, c'est pour les enfants, c'est bien fait, il y a le petit jeu. Je sais pas, je montre doucement, pas trop loin, pas trop près, ça fait pas trop la mise au point. Il y a un petit jeu là en fait ici. Ah ouais, c'est caché, surprise, ouais, toi, il y a marqué caché. Surprise. Oh là, t'as tout cassé, oh là là, tout cassé, oh là là. Allez. Non, regarde, hop. Allez, voilà, allez, hop. Allez. Allez. Oh, merci. Hein. Oh là là. Qu'est-ce que c'est? Allez, prends bien. Des petites billes. Putain, ouais. On dirait des cacas de chèvre. Des cacas de mouton blanc. Des pétoules. Des pétoules de chèvre blanche. Oula. Alors, ça n'a pas du tout l'aspect des M&M's Crispy. Je pensais, mais non. Ah, c'est bon ça. Ouais, t'aimes pas? Moyen, moyen. C'est un goût de raisin, mais. Ouais. Ouais, mais c'est en plus, quoi. C'est un goût fruité, en tout cas. Pas mal les chocoballs sur raisin. Pas mal. Il y a plusieurs variétés de chocoballs sur quand on allait boire, il y a beaucoup de choses. Produit numéro 3. Produit numéro 3. Des pop-corns, les enfants, mais pas n'importe quel pop-corn. Les pop-corns Mike. Mike. Est-ce que vous appelez Mike? C'est vos pop-corns.
vous appelez Mika, Michael, ça peut être vos popcorn aussi, donc les popcorn Mike. Quelle particularité, me diras-tu? Ça sera quoi? C'est ça? Du beurre? Hein? Vous le voyez, le beurre, hein? C'est pas ça, non? Il y a quoi? Il y a le tartine. Des petits salés. Il y a des petits salés, man. Et là, rappelle-toi de ce qu'on a mangé la dernière fois, un peu, là, dans les premières vidéos qu'on a faites. C'est du haricot rouge. Oh, oui, c'est vrai, c'est vrai, quoi, le sang. Ah, ouais. Donc, c'est des popcorn aromatisés au haricot rouge. Allez, on y va, c'est parti, il ouvre. C'est un goût de pomme de terre. Hein. C'est vrai. Oui, pour moi, c'est un goût de pomme de terre. Une odeur de pomme de terre. Ils sont sales, on dirait qu'ils sont tombés par terre, non? On dirait qu'ils sont pourris. Ils ont traîné chez quelqu'un, je dirais. Ils sont noirs. Les entraîner chez quelqu'un, je le dirai pas le nom. Mais ils sont sales. C'est pas mauvais. Bon, on ne sait pas si c'est. C'est pas mauvais. Salé, c'est... Voilà, nous on ressent pas. Ouais, il y a un petit goût de haricot rouge. Il y a les deux. Mais pour nous, ça ressemble un peu à un goût de pomme de terre. Ah, c'est bizarre, mais bon. À toi, je vais l'envoyer pour. Allez, allez, si tu ne la rattrapes pas, tu les manges à mon petit. Non, pas celui-là, pas celui-là. Produit numéro. Alors. 4. Ah, parce qu'on met des numéros sur les produits quand même. C'est des pokis. Ah, des pokis, les enfants, si vous avez suivi les premières vidéos, hein, bon, les liens et tout ça, vous inquiétez pas, vous mettez les liens de la playlist de l'émission La Cantine où on tient tous les produits. Il a fait tomber. Les pokis, c'est des Mikado. C'est pareil, c'est la même marque qui fait ça, sauf qu'en France, bien sûr, c'est sous-traité par Lu, parce que Glico, ils n'ont pas d'usine en France. Mais voilà, et donc au Japon, il y a plein de variétés, c'est comme les Kit Kats. Mmh. Ouais. Et bizarrement, ça sort pas de leur putain de territoire. Donc des pokis aujourd'hui à la... Fraise. Avec quoi dedans? Des morceaux de fraise. Hein. Des morceaux de fraise. Allez, ouverture. Des morceaux de fraise, les enfants, comme, tu sais, il y a dans les céréales un peu, tu sais, les morceaux de fraise, non? Les fraises déshydratées, quoi. Il y a des paquets. Deux paquets, on va en ouvrir qu'un. Ah oui. Allez, on en ouvre qu'un. Le reste, c'est pour les amis. Mais je sais pas si on a beaucoup d'amis. Ok. Deux ou un? Un. En tout cas, ça sent bien. Ah, ça sent bien. Ça sent bien la fraise. Vraiment, ça me fait penser à un truc. Est-ce que tu as connu les bonbons dynamite? Oui. T'as connu les bonbons dynamite? Oh, le truc en forme de dynamite, tu t'ouvrais et t'avais des chewing-gums. Tu sais, ah oui, ça comme ça. Oui. Dynamite. Et après, t'avais ça, un goût de fraise en fait. Mm-hmm. C'est pas rien. Très bon. Très bon. Oh, ouais, ça... Je suis désolé, mais si tu rattrapes pas le paquet, tu le manges en un pied. Ah ouais, j'ai vu. Attention. Je vais faire semblant de. Par contre, s'il tombe, il s'éclate. Oh. Merde, il va pas le manger en entier. Allez. Quoi, bien? Oh, bien. Je suis obligé de manger en entier. Tu manges? Eh oui, tu dois le manger en entier. Ils sont tous pétés maintenant, mais je suis obligé. Allez, par cul. On vous met une petite musique d'attente, parce que ça, il fait un peu des conneries. Des pokis à la fraise, mangez-en, c'est bon. Donc bien sûr, un produit populaire au Japon, c'est aromatisé au caramel. Ah, voilà. Ça ressemble à des curlis, ça peut ressembler à du caca. Ouais, franchement, on dirait des curlis au chocolat ou au caramel, quoi. Ouais. Allez. Moyen. Moi. Il a une tête de. Ouais. De cheval. On dirait des asticots. On pourrait penser que c'est du caca, mais c'est vrai que ça peut ressembler à une. Ouais, les larves de colombe. Voilà, les larves, tu vois là. Les larves de colombe. T'as levé la tête? T'as levé la tête, hein. On va le manger. On le mange, mais
honnêtement, là, celui qui, ce qui fait tomber le paquet, tu dois tout le manger dans la mer, parce qu'il y en a, il y en a, il y en a pas mal. C'est un peu aussi le goût un peu du Coco Pops. Tout à fait. Peut-être avec un peu de lait dans un bol, je sais pas, comme vous voulez, peut-être, je sais pas, à tester. Tu trappes un peu. Ah oui, sûr. Tu trappes un peu. Il tombe. C'est à lui de trapper. Merci. Je crois que t'as. Oh, l'autre jour, il a plu, t'étais trappé. Oh, j'ai été mouillé. Oh, il a plu. Oh, où est-ce qu'il est tombé, lui? Produit numéro 6. Ça s'appelle des Caranto ou Carinto, je sais pas. Voilà, c'est au goût de miel. Je sais pas ce que c'est exactement. Voilà, là aussi, on dirait des cacahuètes. Ou pareil. Oh, mais regarde la tête que ça. Allez, vas-y. Moi, je vais prendre celui-là qui est tout pété là. Oh, celui-là, regarde ça. Oh. On dirait une caca, le truc. On dirait une crotte de chien. Allez, encore un pour. Non. J'aime pas du tout. C'est frit, j'ai l'impression que c'est frit. Ouais. Ah, c'est trop gras. C'est frit. Tu sens l'odeur de la friture comme une de l'huile. Ouais, de l'huile ou quoi, ouais. Ah, non, j'aime pas ça. C'est un goût de miel. Non. On dirait de la friture au miel. En fait. C'est frit. C'est pas hyper mauvais. Ah, non. Mais il y a un goût de miel. Ça, là, ça, si t'en manges là, ça te remonte, ça. Ouais. C'est un goût de nème frite. Dans les fast-food à volonté, là, les gars. Je disais, il m'a dit, je le vois assez au travail, je veux pas le voir en vidéo, il a dit à son fils. Produit numéro 7, qu'est-ce que c'est? La purée. C'est la purée. On a déjà mangé en plus une fois. Bon, c'était un cadeau hein, dans le ouais. Truc. On vous le fait, tiens, démarre-toi, parce que je pense pas qu'il soit facile d'ouvrir celui-là. Ouais. Quoique, j'ai bon mon purée originaire. On l'a pris la dernière fois. C'est très bon. Ah ouais, c'est... Bonbons purée, beaucoup plus de fruits que de reste. Les bonbons purée sont toujours en forme de corps, sachez-le. Si vous voulez offrir des bonbons à votre compagne, à votre femme, à ton chien, ça va être un peu chaud, ton chien. Toujours en forme de... Des gens que vous aimez bien, c'est en forme de petit cœur, donc c'est sympa, puis c'est très bon. Alors, conclusion, quel produit tu as aimé, quel produit tu as pas aimé? J'ai aimé, c'est les Mikado à la fraise. Ça, toujours. Pour qui à la fraise, ça, c'est très très bon. C'est sûr, ça. Ouais, avec les purées là, qu'on vient de manger, c'était très très bon. Ça, c'est très très bon. Ouais, ça, c'est très très bon. Les trucs qu'on n'a pas aimé, il n'y a pas énormément de choses qu'on n'a pas aimé. Je pense que c'est ça. Si, les trucs frits là. Voilà, ça, l'huile, ça, non. Ça, c'est pas bon. Ça. Une friture, ça, c'est. Ah, c'est pas bon. Ça reste sur l'estomac, ça. Bien sûr, comme d'habitude, lien de parrainage Candysan, si vous voulez acheter des produits sur Candysan pour que je touche quelques petits centimes, enfin, qu'on touche quelques petits centimes, pour qu'on vous fasse une prochaine vidéo, une prochaine commande. Dans les commentaires, dites-nous. Dans les commentaires, dites-nous si vous voulez acheter des produits qu'on a testés aujourd'hui, s'il y a des trucs qui vous ont donné envie, honnêtement, les purées, là, j'en ai encore le goût à la bouche, c'est très très bon. Donc moi, je vous dis à très bientôt sur la chaîne pour une prochaine vidéo, et sinon, on se retrouve le mois prochain avec papa pour une troisième vidéo dégustation. Encore une vidéo dégustation. C'est comme ça. Voilà, on vous dit à très bientôt, ciao, bye bye. Ciao. Ah, avant de partir, j'allais oublier. Tu vois ce que j'ai dans la main, là? Tu le vois pas? Sérieux? Si t'es sur YouTube, tu le vois, de toute façon, hein. Voilà, là, tu cliques. Voilà, tu cliques. Ouais, tu t'abonnes, ouais. C'est pas fait? Je m'en fous, je reste là. Je reste là, je suis pas pressé. Voilà, tu peux toujours aller vérifier les Facebook et compagnie. Hein. Voire même la deuxième chaîne YouTube, hein. Abonne-toi aussi. Hein. Bon, j'attends. C'est fait? Ah, c'est cool. Merci, alors. Allez, ciao, ciao, à bientôt.